Nous avons été informés le 19 octobre dernier que le président de la République envisageait de nommer sur proposition de la Première ministre M. Jean Castex au poste de président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, la RATP. En application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Comme vous le savez, cette nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personne pressentie devant les commissions compétentes, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a encore du Larsen là. Auditions qui, bien entendu, doivent être suivies d'un vote. Cette audition est publique et elle est ouverte à la presse. À son issue, nous procéderons à un vote pour lequel il ne peut y avoir de délégation de vote. La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale vous entendra demain matin, et c'est à l'issue de cette deuxième audition que nous procéderons au dépouillement simultané de ce scrutin avec celui de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'en application de l'article 13 de la Constitution, il ne pourrait être procédé à cette nomination si l'addition des votes négatifs de chaque commission représentait au moins 3/5 des suffrages exprimés dans les deux commissions. Ce rappel étant fait, nous souhaiterions vous entendre, Monsieur le Premier ministre, sur les objectifs que vous souhaiteriez poursuivre si nous donnions notre aval à votre candidature. Vous êtes récemment déjà prêté à cet exercice, puisque nous vous avions, avec nos collègues députés, donné un avis favorable à votre candidature à la présidence du Conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFITF, à la fin du mois de juillet dernier. Naturellement, cette nouvelle candidature, qui intervient 3 mois après cette première nomination à la tête de l'AFITF, nous interroge aussi. Et dans ce contexte assez inédit, pourriez-vous nous exposer les raisons qui motivent votre candidature à la RATP? Je vais sans attendre passer la parole à notre rapporteur, Philippe Tabarot, qui va conduire, bien entendu, cette audition. Vous pourrez ensuite présenter votre candidature et nous faire part de vos motivations avant de répondre aux premières questions du rapporteur. Et à l'issue de ce premier échange, mes collègues sénateurs vous interrogeront à leur tour pour une séance de questions-réponses. Je passe immédiatement la parole à Philippe Tabarot. Avec le même micro, Président. Oui. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, c'est un plaisir, avec le Président Longeot, de vous accueillir pour cette audition. Il faut bien l'avouer, nous ne pensions pas vous retrouver si rapidement pour étudier votre candidature à une nouvelle nomination. Si cette audition est une audition d'exigence, j'ai souhaité mener un travail préparatoire afin que notre échange soit le plus éclairant possible et qu'il ne soit perçu ni comme une formalité convenue, ni comme une tribune inquisitrice. Pour cela et pour la bonne information de mes collègues, sachez que j'ai échangé avec la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, avec Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avec Catherine Guillouard, ancienne présidente, qui a récemment mis fin à sa fonction pour raisons personnelles, mais qui, avec détermination, a préparé le groupe à l'ouverture à la concurrence et mené à bien de nombreux chantiers. La question centrale de cette audition est la suivante. L'ancien Premier ministre Jean Castex peut-il être le nouveau PDG de la RATP ? Sans nul doute, votre appétence et votre compétence sur les transports sont au rendez-vous, comme nous l'avions déjà exprimé très largement en juillet dernier. Je peux en témoigner en tant qu'administrateur de l'AFITF, l'Agence de financement des infrastructures de transport, que vous présidez ou présidiez. Dès vos premiers jours à la tête de cette agence, j'ai pu constater une impulsion nouvelle, une mobilisation accrue des services de l'État et un nombre record de conventions signées et de crédits consommés. J'y voyais un atout et le renforcement du plaidoyer en faveur des transports, alors que ce sujet a été totalement occulté durant la présidentielle, par la grande majorité des candidats d'ailleurs, et qu'il revient tel un boomerang dans l'actualité. Pour autant, ce premier point positif est grippé par un chapelet de réserves et de remarques que l'on ne peut camoufler. Premièrement,
Votre nomination vient se mêler à une longue liste de recasages s'apparentant moins au mérite qu'à la loyauté. Votre expérience risque injustement, et je dis bien injustement, de se confondre avec les autres nominations d'Emmanuel Macron, celles des naufragés du suffrage universel, des ex-ministres ou proches de la Première Dame, qu'ils soient nommés à la Cour des comptes, à la préfecture de police de Paris, au Conseil constitutionnel, au port et au MUCEM de Marseille, à la Commission de régulation de l'énergie, à l'IGAS ou au Comité de la biodiversité. Les Français, ou mieux, le président de la République lui-même n'en voulait plus. Ils les ont fait sortir par la grande porte de la démocratie. Il a trouvé le moyen de les faire rentrer par les fenêtres du copinage. C'est donc cela le nouveau monde ? Deuxième point, nous sommes pour le moins surpris de vous retrouver si rapidement après vous avoir questionné pour votre nomination à Lafitte le 27 juillet dernier. 104 jours seulement, c'est par le Jean Castex qui se présentait devant nous comme le candidat de Lafitte, candidat plébiscité, de celui qui se présente aujourd'hui comme candidat à la direction de la RATP. Nous espérons que cette dernière candidature sera la bonne et si vous resterez et que vous ne restiez pas ouvert à d'autres opportunités de nomination que nous aurions à traiter. Et puis, quid du devenir de Lafitte ? Dernier point, nous avons été fortement embarrassés par les réserves de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. À première vue, son avis du 18 octobre dernier, qui a été cité par le président Longeau, semblait contraire assez strictement le plus possible exercice de vos futures fonctions, vous demandant de vous abstenir de toute démarche auprès des membres du gouvernement qui étaient en exercice lorsque vous étiez Premier ministre, ou encore jusqu'au 16 mai 2025 auprès des services qui étaient placés sous votre autorité. Quel dirigeant d'un établissement public de transport aussi important que la RATP peut s'abstenir de tout contact avec le ministre des Transports ou le ministre de l'Intérieur ? Mais mon entretien avec le président de la Haute Autorité a permis de mieux éclairer et écarter les questions pénales et déontologiques de ces réserves. Dans le cadre spécifique de l'ouverture à la concurrence, vous devez simplement vous abstenir de démarcher, c'est-à-dire, selon la définition du Larousse, de mener à bien une entreprise, telle une intervention faite auprès d'une autorité, en l'occurrence auprès de vos anciens collègues ministres. La frontière me semblait poreuse, mais le président Migaud a levé mes doutes. Le cadre de cette nomination étant ainsi posé, je souhaitais bien sûr vous interroger sur deux sujets qui me paraissent cruciaux, et mes collègues le feront sur d'autres sujets bien sûr, le financement du transport public en France et votre stratégie à la tête de la RATP. Pour ce qui est du financement du transport public, je sais que vous avez conscience de la situation de crise que nous vivons, des infrastructures et du matériel vieillissant, des autorités organisatrices de mobilité à l'agonie financière, à l'image d'Île-de-France Mobilité qui n'aura pour seule solution au grand dam de sa présidente que de baisser encore son offre ou d'augmenter fortement son pass Navigo à contresens de la décarbonation des transports que nous appelons de nos voeux. Comment trouver de nouvelles ressources en investissement et en fonctionnant comme cela avait été promis par votre prédécesseur à Matignon qui ne sont jamais arrivés ? Comment ainsi rétablir un service de qualité à un coût acceptable après une dégradation palpable depuis la rentrée ? Pour ce qui est de la stratégie du groupe, allez-vous continuer la politique de la présidente Guillouard qui a essayé d'aller chercher des bénéfices dans d'autres pays ou vers d'autres corps de métier que le transport public pur pour lutter contre la perte probable de marché en Île-de-France du fait de l'ouverture à la concurrence automatique et de l'assèchement des subventions publiques, ou allez-vous vous recentrer sur le corps de métier qu'est le transport public et notamment en Île-de-France ? Enfin, le président de la RATP, Jean Castex, sera-t-il celui qui défendra les mesures de sécurité portées par l'entreprise, alors que le gouvernement que vous dirigez il y a peu les refusait quelquefois à travers ses ministres de l'Intérieur, au travers d'amendements sénatoriaux, comme celui qui visait par exemple à supprimer l'obligation de reclassement en cas d'avis d'incompatibilité rendu pour occuper une fonction sensible, notamment pour les fichiers S. Pour conclure, en fonction bien sûr de cette audition et des réponses que vous apporterez à nos questions, comme je l'ai dit, pour moi, compétence et appétence demeurent la priorité des priorités. Aussi, à titre personnel et sans engager ni mes collègues ni mon groupe,
je voterai pour votre nomination en fonction de PDG de la RATP. Je le fais dans un seul but, celui de ne pas vous affaiblir au moment où, juste après le départ de Catherine Guillouard et avant une grève qui vous est offerte comme cadeau de bienvenue, le climat social et l'offre de transport se dégradent et le marché concurrentiel s'active fortement. Je crois que nous avons tous plutôt intérêt à ce que vous réussissiez cette grande et belle mission et ainsi éviter le déclassement du groupe RATP et de ses 69 000 salariés sur un plan régional, national et international. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur, pour ces propos qui ont mérite de la clarté. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le Président, monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs. D'abord, même si c'est dans des circonstances particulières, c'est un plaisir de me retrouver devant vous. Je n'aspire pas à changer de poste tous les trois mois, rassurez-vous, mais, et je vais vous en expliquer les raisons, je suis heureux de me retrouver devant vous en tant que postulant à la présidence du Conseil d'administration et direction générale de la RATP, très très belle entreprise, vous le savez toutes et tous, de notre patrimoine national qui est confronté, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, nous allons y revenir, à beaucoup de difficultés, mais ça n'est pas fait pour me décourager. Alors, cher Président, vous me dites pourquoi vous revenez devant nous alors qu'effectivement, j'étais pas dans la même pièce, mais devant la même commission à la fin du mois de juillet pour la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport. J'allais dire tout simplement pour les raisons que vous avez vous-même rappelées. À ce moment-là, la RATP n'était pas vacante et personne, en tout cas certainement pas votre serviteur, n'imaginait qu'elle le deviendrait. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi, si vous le voulez bien, de rendre hommage, non seulement comme vous avez, je vous en remercie, commencé de faire à l'action de Catherine Guillouard, qui a été une présidente extrêmement engagée, qui a affronté toutes ces difficultés avec beaucoup de courage, qui a fait évoluer la RATP et qui a engagé toute une série de chantiers qu'il faudra, j'y reviendrai, poursuivre. Et qui a fait, vous le savez, toutes et tous ici, mesdames et messieurs les sénateurs, un choix personnel lié à sa vie familiale, que je trouve tout à fait remarquable et honorable, s'il m'est permis, bien entendu, de le commenter. Mais enfin, en tout cas, qui explique qu'elle a annoncé, je pense, un peu à la surprise générale, au début du mois de septembre, donc postérieurement à l'audition à laquelle vous avez fait référence, qu'elle allait quitter ses fonctions, je crois, à l'échéance du 1er octobre suivant. Bon. Si bien que, je le dis sans détour et en toute transparence devant la Commission, lorsque le pouvoir exécutif en place m'a demandé si cette fonction m'intéressait, je vous le dis vraiment, j'ai répondu spontanément, positivement. Alors, vous dites, est-ce que ce sera la bonne, ce sénateur ? Bon, c'est pas que la précédente était mauvaise, hein. J'étais très heureux de présider l'Agence de financement des infrastructures de transport. Je vous remercie d'ailleurs sur les appréciations, puisque nous y siégions ensemble, que vous avez bien voulu porter sur les quelques semaines que j'ai pu accomplir. Il y a beaucoup à faire, peut-être on y reviendra puisque vous l'avez évoqué. C'est pas tout à fait la même dimension. Hein. Ai-je besoin de rappeler aux membres de la Commission, si je devais donner simplement de comparaison ou de jauge, ça ne va pas dire grand-chose, mais enfin quand même, la FIF, c'est malheureusement d'ailleurs, cher sénateur, quoi, 5 agents. Bon, là, il y en a, alors même si j'ai bien compris avec les parts de marché qui ont été conquises dans les premiers appels d'offres hors du périmètre historique de la RATP, on a dépassé le seuil des 70 000 salariés. Bon, c'est pas tout à fait le même enjeu et le même challenge. Bon. En revanche, me semble-t-il, je pense qu'il y a de ma part une cohérence. Cette cohérence, je n'y reviens pas puisque j'avais longuement insisté devant vous lors de la première audition, je crois beaucoup au transport collectif, ce sont des enjeux d'avenir fondamentaux pour notre pays qui sont à la croisée, d'abord je vais y venir dans un instant, de très quotidien pour des millions de nos concitoyens, de vie de tous les jours. Bien entendu, des enjeux de structuration et d'aménagement du territoire, en l'espèce le territoire francilien, même si le rapporteur l'a rappelé, la RATP
à l'initiative des précédents présidents, et notamment de Catherine Guillouard, s'est développée hors des frontières, non seulement de l'Île-de-France, mais même du pays, et développe son savoir-faire, qui est grand en la matière. Et puis, bien entendu, ai-je besoin d'insister devant cette commission des enjeux de développement durable, de transition écologique, qui sont fondamentaux et sur lesquels je voudrais, si vous m'y autorisez, redire. Donc, voilà, je veux dire tout simplement comment les choses se sont passées. Vous avez dit, il y a beaucoup de défis, c'est difficile. Ben oui, oui, je ne les sous-estime pas du tout. Je vais y venir, mais bon, vous commencez un peu à me connaître, c'est pas fait pour me décourager. Si j'osais devant vous, je dirais même que ça m'aiguillonne. Ça m'aiguillonne. Bon. Je suis fier d'être devant vous, postulant à la direction de cette entreprise éminente dans notre paysage. Troisième, je vous le rappelle, opérateur mondial de transport urbain, très lié à l'histoire de la ville capitale, et qui est en plus confronté aujourd'hui à des défis extrêmement lourds, extrêmement considérables, et qui en plus ont pour caractéristique de se présenter devant elle, c'est-à-dire devant le pays, dans des échéances extrêmement rapprochées. Bon. Vous les avez dit, mais je voudrais y revenir pour vous expliquer comment je les vois. Je le dis tout de suite, hein, je suis candidat à la fonction, je ne connais encore pas tout de la RATP, j'ai encore beaucoup à apprendre, je le dis devant les collaborateurs de cette entreprise qui sont là, mais l'expérience et la vision qui sont les miennes me conduisent à vous dire, bon, d'abord qu'il va falloir s'occuper des défis de très court terme. Vous l'avez souligné, la presse en fait l'écho permanent, il y a un sujet de qualité, de continuité du service très fort, qui a marqué, ou qui marque encore, bien sûr, le service des bus, avec, vous le savez, près d'un quart de l'offre qui n'a pas été réalisée au mois d'octobre. Et on voit aussi des difficultés dans le métro, en tout cas sur un certain nombre de lignes. Je n'ai pas besoin de développer, vous l'avez tous vu, voire peut-être, comme l'usager que je suis, expérimenté. Bon. Pour autant, enfin, on va revenir, les causes, les difficultés de recrutement, les problèmes d'absentéisme, de gestion des ressources humaines, je ne voudrais pas non plus, je le dis, vous comprenez, dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui et dans celle que je projette, qu'on tombe dans le RATP bashing. Que je sache, mesdames et messieurs les sénateurs, s'il n'y avait que la RATP qui avait des difficultés à recruter, je parle sur tous vos territoires et dans tous les secteurs professionnels, ça se saurait. Sauf que là, ça se voit tout de suite, beaucoup plus. Bon. Donc, en tout cas, c'est un sujet d'actualité. Il y a toute une série de solutions qui ont été ou préconisées ou déployées, soit par l'entreprise elle-même, soit par Île-de-France Mobilité. La présidente Pécresse, avec laquelle vous faites allusion, s'est exprimée. C'est le premier sujet là, qui est sur la table. Mais encore une fois, qui rappelle que la RATP n'est pas une île. Que ces difficultés de recrutement, elle les prend en pleine figure, comme beaucoup d'autres secteurs professionnels dans notre pays. Autre sujet qui lui aussi relève, on va dire, de la conjoncture nationale, voire internationale, nous allons avoir affaire, va avoir affaire à une facture énergétique extrêmement importante. C'est pas les sénateurs et les collectivités territoriales ici réunies qui me démentiront. J'ai relevé quelques chiffres juste pour illustrer devant la Commission. Facture énergétique tout confondu de la RATP en 2021, 210 millions d'euros. En 2022, l'année n'est pas finie, autour de 265. Et on prévoit en 2023, je vous donne une fourchette, là encore, vous m'en excuserez, entre 480 et 550 millions d'euros. Bon. Je rappelle que la RATP consomme chaque année, 2,5 TWh en énergie, tout confondu, et que ça représente 2% de la consommation électrique de toute l'Île-de-France. Bon. Donc c'est dire que la tension sur les prix, mais la RATP n'y est évidemment pour rien, pèse et va peser, et qu'il va falloir voir avec les dispositifs nationaux, l'État, etc. À chaque fois, je pourrais dire, M. Tabarot, M. le Président, voilà, par exemple, là,
on l'aura tous compris, par rapport à l'avis de la HATVP, il n'y a pas de doute, je peux m'adresser sans difficulté au gouvernement, puisque ça a été rappelé, les réserves de la RATP concernent le secteur de l'ouverture à la concurrence. Et pour le purger à ce stade, je n'ai pas besoin non plus de rappeler aux sénateurs que ceux qui organisent l'ouverture à la concurrence, ceux qui allotissent, ceux qui décident des lauréats des lots, c'est Île-de-France Mobilité. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le gouvernement. Je rappelle bien ça. Bon. Donc, la conjoncture, l'inflation sur le coût de l'énergie, nous allons avoir de la même façon. Vous avez cité le mouvement de grève, le mouvement social d'après-demain. Évidemment, pression sur les salaires. Je ne sache pas là non plus que la RATP soit la seule entreprise, le seul établissement concerné par ce sujet. Bon. L'occasion pour rappeler devant la Commission, devant le Sénat, que d'ores et déjà, sous votre contrôle, dans cette année 2022 qui n'est pas terminée, l'augmentation moyenne des rémunérations à la RATP a été de plus 5,2% en 2022. Il y a bien sûr l'effet du point d'indice, que vous connaissez en juillet, mais il y a eu toute une série de primes qui ont été décidées après négociation, et dont je constate avec satisfaction qu'elles ont concerné surtout les bas salaires, qu'elles ont permis aussi de mieux payer les travails de nuit, grâce à un accord qui a été conclu au printemps dernier. Bref, il y a déjà des choses qui ont été faites, mais on voit bien, dans ce secteur comme dans d'autres, qu'il y a une pression forte par rapport à ces tendance inflationniste. Je mettrai aussi dans les défis de demain, là, sans doute l'impact de la réforme des retraites sur la RATP, sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir. Et puis dans un calendrier tout aussi exigeant, c'est-à-dire pas là dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais tout ça se prépare dès à présent et a même bien évidemment commencé à l'être avant mon éventuelle arrivée. D'abord, évidemment, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques, ça va être une sacrée affaire. Bon, je ne me lance pas parce que, sans doute, vous souvenez-vous toutes et tous que j'ai été délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques avant d'être Premier ministre, donc j'avais déjà beaucoup balisé et connu ce sujet. Mais enfin, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, ça va être pour certains jours 1 million de voyageurs supplémentaires à prendre en charge. 1 million, pas tous les jours. Mais certains d'entre eux, qu'il y a derrière ça un enjeu billettique, comme on dit, considérable, puisque l'objectif, en tout cas, c'est que le taux de clients, vous voyez aussi l'opportunité que ça représente, qui puissent acheter leurs billets de manière digitale, soit d'environ 40%. Vous voyez tout ce que derrière, comme on dit, cela suppose. Échéance claire, mais évidemment majeure. L'ouverture à la concurrence. J'essaie d'être chronologique, puisque les JO, c'est l'été 2024 et les Paralympiques en septembre, et puis 1er janvier 2025. En fait, je le dis au passage, l'ouverture à la concurrence a déjà commencé. Bon, mais pour la RATP, c'était sur des zones où elle était finalement très peu. Donc, sur ces zones-là, elle a gagné d'ailleurs quelques appels d'offres. Tout n'est pas terminé. Elle a répondu, si j'ai bien lu, à 1 sur 2 environ, mais le 1er janvier 2025, c'est sur les zones bus qu'elle exploite aujourd'hui, comme vous le savez parfaitement, que cette ouverture à la concurrence va s'exercer. Bon, et puis vous connaissez les échéances suivantes, 2030 pour le tramway et 2040 pour le métro. Et enfin, je l'ai mis parce que ça me paraît central, au-delà de tout ça, un facteur commun, ni à courte, ni à moyenne, ni à longue échéance, à toutes les échéances, il y a évidemment l'enjeu du changement climatique qui est devant nous et la contribution que peut, que doit y apporter la RATP. Et alors, le premier, je le dis bien pour vous fixer la conscience que j'en ai et dont les ambitions et les intentions qui sont les miennes, qui sont celles d'un collectif, la première façon de répondre à ça pour la RATP, et c'est pour ça que ça peut paraître paradoxal, en ayant annoncé les difficultés qu'on a aujourd'hui pour assurer la qualité de service, alors même, mesdames et messieurs les sénateurs,
que tous les usagers d'avant Covid ne sont pas encore revenus. Ça s'améliore. Ça s'améliore, mais on n'est pas encore. Le week-end, on y est presque, si j'ai bien compris. Mais en semaine, on n'y est pas encore. Et or, allez vous dire, oui, mais vous avez du mal à satisfaire ça. Bon. Mais pour autant, et il faut d'autant plus régler ce sujet, qu'en fait, l'ambition de la RATP, au nom de l'État, au nom du pays, au nom d'IDFM, bien entendu, ça doit être de gagner des parts de marché. C'est indispensable. Elle a d'abord un premier grand défi quantitatif. Les transports, vous le savez, représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre, hein, bien plus que l'agriculture, que l'industrie, etc. Et en leur sein, la route, 94%. Bon. À distance égale en Île-de-France, c'est peut-être pas, par exemple, tout à fait la même chose dans les Pyrénées orientales, mais on consomme 50 fois moins de CO2 en métro, en RER ou en tramway qu'en voiture. Donc le grand défi de la RATP, c'est de conquérir des clients. Et des autres, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, sont les mêmes. Je m'exprime que, non pas au nom de la RATP, je n'en ai pas encore le droit, mais enfin, dans cette perspective-là, évidemment. Bon. Donc, les déplacements en Île-de-France sont accrus, je vous rappelle, de 41 à 43 millions, disent les rapports, sur les 20 dernières années, et les transports publics ont eu une progression de 14% sur cette période. Bon. Donc, ça, c'est le premier grand sujet. Il faut nous être positionnés stratégiquement pour gagner des parts de marché. Et puis, nous devons aussi concourir à la lutte contre le changement climatique en agissant, comme l'entreprise a magnifiquement commencé de le faire, sur sa propre sobriété. Elle s'est fixé des objectifs, mais je n'ai rien à y redire à ce stade, monsieur le rapporteur, et j'essaierai de les mettre en œuvre, d'abaisser de 50% ses propres émissions de gaz à effet de serre. 50%, la base, c'est 2015, l'arrivée, c'est 2025, et si on prend comme point d'arrivée 2034, c'est 80%. Comment? Je rappelle en un mot pour très vite, le plan bus, vous y avez fait référence, qui est un plan quand même fondamental, puisqu'évidemment, là où le bas blesse, c'est les bus utilisant le gasoil dans le parc RATP. Plan bus extrêmement ambitieux, voulu et financé, il faut le rendre hommage, par Île-de-France Mobilité, enveloppe d'un 8 milliards que la RATP met en œuvre, conversion à 50% électrique biométhane, avec un objectif, il faudra tout faire pour l'atteindre, monsieur le rapporteur, je n'en rajoute pas parce que ça va être déjà très exigeant, fin 2026, plus de bus au diesel. C'est, je crois que j'ai là des personnes qui ont les pieds très sur terre et ils voient la hauteur de cette ambition. Mais je rends hommage à ce qui est fait. Aujourd'hui, au moment où je m'exprime devant vous, 57% de la cible est déjà atteinte. C'est pas mal. 564 bus électriques, 794 bus roulant au biométhane et 361 ont été injectés, si je puis dire, dans le parc de la RATP depuis le 1er janvier 2022. Alors, il faut y aller. À marche forcée, c'est très difficile, hein, parce que il y a le problème d'achat. Les fournisseurs n'arrivent pas toujours à suivre. Il y a les centres-bus à reconvertir. Et là, enfin, si je vous dis qu'il peut y avoir ici un problème de permis de construire, ici un problème de réglementation ICPE, enfin, vous me croirez sur parole, toutes les procédures. Le quotidien. Tout à fait, le quotidien. Bon. Mais en tout cas, il faut y aller. Je réaffirme devant vous cet objectif. Il est majeur, de la même façon que sur les autres aspects du plan de sobriété énergétique de l'entreprise. Eh bien, il faut baisser de 20% la consommation énergétique des bâtiments de la RATP. Il faut augmenter la part du renouvelable dans la fourniture d'électricité pour tous ces bus, pour le métro, pour le tramway, pour le RER. Voilà. Et il faut aussi, évidemment, mener à bien et approfondir sans doute le chantier de la pub et de l'éclairage dans les stations, qui, vous le savez, est extrêmement délicat. Bref, mesdames et messieurs les sénateurs, les défis ne manquent pas. Et je le dis, ça me motive beaucoup. Je le dis et je le répète. Alors, quelles sont mes priorités pour y faire face, cher rapporteur? Je voudrais d'abord dire, parce que c'est important, quelques mots sur la méthode.
D'abord, je pense qu'il faut, surtout à mon âge, éviter de se changer. Il vaut mieux faire ce qu'on sait faire et mettre l'accent là-dessus. Bon. Donc, écoute, concertation, proximité. Écoute, concertation, proximité. C'est une entreprise, énormément de salariés, encore plus de clients usagers ou d'usagers clients, comme vous voulez. Il faut être en permanence à leur écoute et travailler dans la concertation. Le premier de nos grands partenaires, je le dis ici cet après-midi, le président, le rapporteur, on sait, c'est évidemment Île-de-France Mobilité. La RATP, je le rappelle à la Commission, réalise les trois quarts de son chiffre d'affaires, 99 de son résultat consolidé avec Île-de-France Mobilité. Et je le dis ici, je vois, vous avez eu, il y a des débats, la présidente s'exprime, c'est évidemment la première personne que j'irai voir. Bah, nous avons l'obligation de travailler ensemble et de bien travailler ensemble. Pour l'usager, savoir si tel ou tel problème relève d'IDFM ou de la RATP, je doute, c'est pareil. Bon. Et il y a sans doute des parts de responsabilité des uns et des autres. On va s'en expliquer entre nous, mais mon objectif, puisque c'est la question que vous me posiez, ben voilà, je vais proposer à la part de la RATP ben, qu'on fasse un état des lieux très précis, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas bien, hein, et que nous essayons d'avoir un plan d'action concerté. Nous avons l'obligation de travailler ensemble au bénéfice des Franciliennes et des Franciliens et de tous les visiteurs ou touristes qui utilisent les transports en commun gérés par la RATP. Voilà. Et évidemment, en serez-vous surpris, mesdames et messieurs, l'ancien maire que je suis, au-delà d'IFM Mobilité du Conseil Régional, fera le tour des collectivités, des mairies, des départements sur lesquels notre entreprise déploie son service public, ou va déployer, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a des parts de marché, si je puis dire, qui ont été gagnées. L'ouverture à la concurrence, n'oublions jamais, marche dans les deux sens, Dieu merci. Évidemment, ce dialogue, ai-je besoin de vous le dire, je n'ose dire que j'ai fait ça toute ma vie professionnelle et politique, sera aussi exercé, il y en aura bien besoin, à l'endroit des partenaires sociaux de l'entreprise. Évidemment, c'est une entreprise où le dialogue social a une histoire et une spécificité, et il vaut mieux, comment dire, ne pas le récuser. Mais c'est absolument indispensable, et donc il marche, hein, d'ailleurs, je le dis au passage, parce qu'il y a un grand mouvement de grève, vous l'avez dit, qui, d'après ce que je comprends, sera suivi, mais ça ne nous a pas empêché, ça n'a pas empêché l'entreprise de signer rien qu'en 2021, 25 accords d'entreprise, ce qui montre quand même qu'il y a une vitalité du dialogue social, et cette vitalité, j'y suis très attaché. Et vous avez d'ailleurs pu, mesdames et messieurs les sénateurs, le constater lorsque j'étais Premier ministre, où j'ai poussé au maximum que possible la concertation avec les organisations syndicales et patronales, ce qu'elles ont d'ailleurs reconnu. Donc, à court terme, eh bien, il faudrait essayer, je vais m'employer à faire aboutir les discussions autour du fameux cadre social territorialisé. C'est pour les chauffeurs de bus dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, avec des négociations très longues ont eu lieu, n'ont pas abouti, il y a une décision unilatérale qui a été prise par ma prédécesseur, qui a été contestée devant le juge, il y a une médiation judiciaire qui est en cours. Voilà, bon, tout ça, je prends, sans mauvais jeu de mots, le train ou le métro en marche, ben, voilà, dans le cadre du respect des uns et autres, il faudra que nous puissions aboutir, et de la même façon, pour faire pendant à ce que je disais sur les questions salariales, nous devons anticiper l'ANAO, la négociation sur les salaires annuels obligatoires pour 2023, et nous avons déjà prévu qu'elle serait ouverte dès décembre 2022, c'est-à-dire demain, puisque nous sommes au mois de novembre. Un troisième point, me semble-t-il, sur ce dialogue, évidemment, il faut que je voie comment améliorer, c'est possible, et ce n'est évidemment pas une critique à l'endroit de ce qui se fait, mais je suis là pour essayer de faire encore mieux, en tout cas c'est sans doute pour ça que vous me challengez, comment dire. Voir comment on peut travailler encore mieux avec les usagers et leurs représentants, les clients, usagers de l'entreprise. Je pense que c'est un point essentiel, ils ont des modes d'expression qui sont infiniment renouvelés, et c'est des choses qu'il faut organiser peut-être encore davantage grâce à ces outils.
Je souhaite aussi, je le dis, personne n'en sera étonné, insister sur la qualité du management à tous les étages de l'entreprise. Il y a eu des réformes organisationnelles que le rapporteur a rappelées autour de business unit et qu'il faudra donc mener à terme. Mon objectif, c'est qu'il y ait la plus forte déconcentration des responsabilités, que la ligne hiérarchique soit le plus investie possible, dispose des plus larges marges de manœuvre, soit responsabilisée pour qu'au plus près du terrain, des solutions puissent être trouvées à chaque fois qu'un problème concret se pose dans la marche de l'entreprise et dans l'accomplissement du service public. Voilà pour la méthode, en quelques mots. Sur le fond, pour ne pas être trop long, là, je suis vraiment clair devant vous. C'est pas du tout, je le dis pour Philippe Tabarot, je vais revenir, un retour en arrière, pas du tout sur la diversification et la filialisation, mais ma priorité des priorités, c'est le cœur de métier. Et le cœur de métier, c'est répondre aux attentes des usagers, des clients de la RATP. Bien sûr, je n'y reviens pas à la ponctualité et la régularité, mais aussi, j'insiste devant vous, la propreté, la sécurité, la lutte contre les fraudes, la qualité de l'information, le chantier de la bioéthique que j'ai évoqué à la faveur des Jeux Olympiques, mais qui est en réalité un sujet de vie quotidienne. Et la diversification des activités, j'insiste, est importante, elle fait sens, mais en aucune manière elle ne doit nous détourner de notre mission première et fondamentale. C'est au cœur du pacte social de cette entreprise. Donc l'urgence numéro un, je l'ai déjà dit, c'est le manque de personnel, les difficultés à recruter, l'absentéisme, l'offre de services. Donc, j'ai eu communication, vous le savez d'ailleurs, mesdames et messieurs les sénateurs, de ce que tant Île-de-France Mobilité que l'entreprise elle-même a décidé jusqu'au recours à l'intérim, qui est sans doute, me semble-t-il, la dernière mesure en date à laquelle il était fait appel. Je me donne 3 semaines pour faire un diagnostic partagé, pour trouver des outils supplémentaires, pour essayer encore plus, enfin, on est encore une fois beaucoup d'employeurs. Si la RATP, encore une fois, était la seule à chercher des salariés, ça se saurait. Mais, en tout cas, je pense que c'est un sujet qui est évidemment capital. Un mot sur la sécurité que j'ai évoqué. Vous savez que c'est un sujet, là aussi, de préoccupation très fort de nos concitoyens, en particulier sur certaines parties du réseau. Je pense notamment aux stations du nord-est parisien, avec les problèmes du crack, les problèmes de vol à la tire, les problèmes d'agression, y compris d'agression à l'égard de femmes. Donc là aussi, je le dis, une de mes premières visites sera d'aller au centre de coordination opérationnelle qui a été mis en place sous l'autorité du préfet de police en juillet dernier, et voir là aussi ce qui peut être fait. Le service qui s'occupe de ça, le GPSR, le groupe de protection et de sécurité des réseaux, a lui aussi du mal à recruter. IDFM a bon droit à la renforcer, c'est très bien, elle nous a donné les moyens de recruter, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, je le dis, en toute transparence, si j'ai bien compris, l'objectif est que ce service puisse avoir 958 agents à la fin de l'année 2022, et je comprends qu'on sera, si on n'essaie pas de trouver des solutions alternatives ou substitutives, qu'à 920. Bon. Donc, là encore, je pense que c'est la même priorité, finalement, hein, mais de façon de vous dire que ces histoires de recrutement, je vais aussi mettre le paquet sur, bien sûr, les fonctions de conduite, de bus, mais aussi sur ces questions de sécurité. Il y a par ailleurs, je le dis au passage, sur les 45 000 agents que compte l'EPIC, 5 500 d'entre eux qui sont dans les gares et dans les stations au contact du public. Ce ne sont pas des agents de conduite, ce ne sont pas des agents de sécurité, mais ce sont des gens qui renseignent. Ça, la présence humaine, c'est important. Et ça l'est d'autant plus, mesdames et messieurs les sénateurs, que par ailleurs, il faut poursuivre dans ce sens, on va développer le numérique, la billettique digitale, etc., le fait qu'on puisse avoir ses billets sur son smartphone et plus avoir de billets. Donc, il faut à tout prix, là aussi, que nous réfléchissions ensemble comment faire en sorte que la présence humaine ne disparaisse pas. Et comment, je n'ai pas à ce stade de solution opérationnelle, mais comment voir comment, si on peut
encore accroître par redéploiement, parce que je suis très soucieux de la qualité de la gestion, renforcer cette présence humaine de proximité qui, ne l'oublions pas, est au cœur du service public. La RATP est une entreprise publique de service public. Nous devons humaniser au maximum ce service. Régler les défis du quotidien et préparer l'avenir. Et l'avenir, dans ce domaine, peut-être plus que dans d'autres, c'est la cohérence avec la fixe, cher Philippe, c'est investir. Investir, je vous le dis, mesdames et messieurs les sénateurs, dans ce domaine comme partout, mais dans celui-là en particulier, c'est capital. D'abord, je le dis, investir dans ce qui est la première richesse de cette entreprise, les femmes et les hommes qui y travaillent. Donc, je disais, on a dépassé 70 000 salariés, il y a 271 métiers, et je voudrais me fixer trois objectifs, après une phase d'objectifs partagés à plus long terme. D'abord, je crois qu'il est absolument indispensable, je le vois en discutant parce que je suis un usager, maintenant qu'on sait que peut-être les commissions parlementaires m'accorderont leur confiance et que je deviendrai PDG de la RATP, des agents m'abordent en permanence. Ils me racontent leur vie quotidienne, la vie d'un conducteur de bus, qui n'est pas simple. Donc on a un enjeu de vie au travail, de qualité de vie au travail. Il y a des outils pour ça, il y a des choses qui sont engagées. Ça sera, je le dis, une de mes priorités. De la même façon, les difficultés de recrutement que nous rencontrons aujourd'hui avec l'impact qui est le leur sur la continuité du service et la qualité du service nous obligent, me semble-t-il, à améliorer encore la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la RATP. Et l'ouverture à la concurrence aussi. Donc ça sera un deuxième chantier. Le troisième, toujours sur ce domaine de l'investissement dans l'avenir et dans les compétences, ça consistera par la formation, par l'attractivité, à mettre l'accent sur tout ce qui est la spécificité de la RATP, sur l'excellence, sur les métiers d'avenir, sur le numérique, sur le technologique, sur l'industrie. Il y a des enjeux industriels extrêmement forts, mais aussi, j'y faisais référence, sur la qualité de l'accueil, l'attention portée aux clients, l'insertion des publics en difficulté dans les nombreux chantiers que nous avons. Donc là, il y a trois chantiers que je suivrai très personnellement et qui me semblent être extrêmement porteurs pour l'avenir de l'entreprise. Et puis, il y a bien sûr les investissements matériels qui, eux aussi, sont un facteur décisif sur la qualité du service, sur la sécurité, sur la sobriété environnementale. Si on veut transporter davantage de gens, il faut accroître l'offre. Il n'y a pas de secret. Regardez, par exemple, l'automatisation, pour ceux qui connaissent bien le métro parisien, de la ligne 1, qui est maintenant entrée dans les mœurs, qui fonctionne bien. Si vous regardez la ponctualité, la sécurité, le nombre des incidents, ça s'est considérablement amélioré. Il faut généraliser ça, petit à petit, à la mesure de nos moyens. Mais le cap est tracé. Si vous regardez le RER A, je rappelle, je crois que c'est la ligne qui transporte le plus de voyageurs au monde. 1 400 000 quotidiens. Bon. Et il y a encore énormément de difficultés, mais enfin, grâce aux efforts d'Île-de-France Mobilité et de la RATP, on a changé les voitures, on a fait des travaux d'investissement sur les voies, etc., considérables entre 2011 et 2017. Ça a eu des incidences sur la qualité du service, sur la ponctualité des trains et sur les indices de satisfaction des usagers, même si, je connais bien le RER, il reste encore beaucoup à faire. Bon. Mais on a investi. Bon. Évidemment, on va investir dans du matériel fer qui va permettre de renouveler 60% du matériel roulant de la RATP d'ici 2035. C'est considérable. Ce matériel, il est très intéressant, il est plus sûr. Les quais seront mieux protégés. La consommation électrique de ces nouveaux métros va baisser de 20%. La qualité de l'air va s'améliorer parce que les émissions de particules grâce au nouveau système de freinage seront diminuées, etc. Il y a le grand chantier du RERB, où là aussi il y a des commandes de 146 trains entre 2025 et 2030, Nexteo, etc. Donc il faut investir, monsieur le
rapporteur, vous avez tout à fait raison. Il faut investir dans le domaine des transports, en Île-de-France comme ailleurs, mais là je parle de la RATP. La RATP investit beaucoup, là encore pour rendre hommage à ma prédécesseure et à Île-de-France Mobilité, plus 70% d'augmentation des investissements entre 2017 et 2022, rien qu'en 2021, dernier exercice clos, 2,7 milliards d'euros, dont 1,2 sur fonds propres. Et le contrat en cours avec l'IDFM, vous le savez, prévoit 8,4 milliards d'euros. Là-dessus, le CPER en cours finance un quart des investissements de la RATP. Donc oui, il faut dégager, monsieur le rapporteur, je l'ai déjà dit lorsque j'étais en audition ici, je l'ai déjà dit à la tête de la FID, il faut à tout prix dégager des ressources nouvelles et supplémentaires, en tout cas par rapport à la fameuse trajectoire de la LOM que vous connaissez bien. Je me permets de rappeler, pour faire mention à mes fonctions d'ancien Premier ministre, que s'agissant du CPER d'Île-de-France dont je viens de parler, j'avais accru de 870 millions la part de l'État dans son financement, essentiellement grâce au plan de relance, pour la porter à 2,33 milliards d'euros, c'est-à-dire annuel, hein, c'est-à-dire, enfin, pardon, global, c'est-à-dire bien au-delà de la trajectoire des 200 millions annuels. La politique de diversification et de filialisation, qui est à l'œuvre depuis plusieurs années, doit participer pleinement à la valorisation de ces investissements et dans la cohérence du groupe. Voilà. Donc, mes priorités, vous me posez la question là-dessus, bien, c'est le métro automatique. On est très bien placé sur le plan national. Il faut, peut-être plus encore que des réseaux bus, que nous candidations, que nous conquérions des parts de marché dans le métro automatique. Il faut que nous ayons une vision intégrée. La RATP a des qualités à faire valoir, a un savoir-faire à faire valoir sur la vision intégrée de la ville. Et dans ces conditions, je le dis, nous pourrons relever le défi de l'ouverture à la concurrence préparée par mes prédécesseurs. Je veux affirmer devant vous ici que le service public est tout à fait capable, avec les valeurs qui sont les siennes, de faire face à ce défi. La réorganisation est quasiment achevée, monsieur Tabarot, et nous devons pouvoir passer du statut d'opérateur en monopole à celui du statut d'opérateur choisi. Simplement, il manque encore des textes, il manque encore toute une série de dispositions qui génèrent de l'incertitude auprès de nos salariés que je vais m'employer à lever au plus vite. Alors, dans ce cas-là, on est dans l'ouverture à la concurrence, donc j'appliquerai rigoureusement les observations de la HATVP, et j'en profite pour dire, ça tombe bien, le ministre en charge, c'est M. Béchu, il n'était pas dans mon gouvernement, je peux donc, en respectant très strictement les termes de la délibération de la HATVP, établir sur ces sujets, et c'est ce que je ferai, une relation avec ce ministre. Sur l'ouverture à la concurrence, je voulais juste vous dire une chose, je pense qu'il faut quand même que nous soyons vigilants. Ce n'est pas une religion, l'ouverture à concurrence. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est un bon aiguillon, mais à condition que le résultat soit positif. Et donc, je pense qu'il faut, ça commence, il faut, le Parlement peut y contribuer s'il le souhaite, qu'on ait une sorte d'observatoire, hein, de l'ouverture à la concurrence. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'il y a de nouveaux entrants? Est-ce qu'effectivement les prix baissent? Est-ce que la qualité du service ne se trouve pas dégradée? Toute question auxquelles, me semble-t-il, il faut que nous puissions répondre. Mesdames et messieurs les sénateurs, pendant de cet exposé un peu long, je voulais vous dire à son terme ma lucidité d'abord face aux défis qui sont les nôtres, ma confiance dans les collaborateurs de la RATP, ma détermination à mettre mon expérience, ou plutôt mes expériences, au service de ces défis, de cette entreprise, au service de ses clients usagers. Expérience du service public, car je crois au service public, aux valeurs du service public qui sont parfaitement conciliables avec compétitivité, performance et concurrence à condition qu'elles soient nécessaires, justes et équitables. Expérience du dialogue social dans les différentes fonctions qui ont été les miennes, je dirais de l'impérieuse nécessité du dialogue social, de la considération et de l'écoute. Expérience pour préparer les grands événements qui attendent Paris et la France et auxquels la RATP doit apporter son entier concours. Expérience
du terrain, du concret, des exigences de la vie quotidienne, à la fois comme ancien maire et comme utilisateur historique et constant des transports en commun. Expérience sans doute aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, des situations, comment dirions-nous, difficiles, telles que celles que j'ai pu connaître comme Premier ministre. Mais ce qui est bien finalement, c'est que j'ai le sentiment que j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce nouveau défi et que mon enthousiasme pour le faire est absolument intact. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce propos liminaire. Je vais donner la parole à Joël Bigot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, merci de ce court propos liminaire. Il y a de cela 3 mois, 104 jours, nous disait Philippe Tabarot, ici même, nous vous donnions notre accord pour présider l'Agence de financement des infrastructures de transport, l'AFIT, dont votre prédécesseur était M. Béchu, d'ailleurs. Comme le Parlement l'a également donné à Emmanuel Wargon pour la présidence de la Commission de régulation de l'énergie, ou encore à Brigitte Bourguignon, à l'IGAS, conformément à l'article 13 de la Constitution. Valse des postes bien huilés et bien utiles en début de quinquennat. Philippe Tabarot l'a illustré tout à l'heure dans son propos initial. Mais aujourd'hui, c'est sans compter sans les avis de notre haute autorité de la transparence de la vie publique, en place depuis 2013, et qui apporte au public un regard nouveau sur ses nominations. En effet, la HATVP rend pour chaque nomination un avis circonstancié et rigoureux sur les conflits d'intérêts potentiels et les incompatibilités. Ce fut le cas pour l'ex-ministre des Transports, M. Jean-Baptiste Djibari, interdit de devenir VP de CMA-CGM, ou encore Frédéric Vidal, qui, ex-ministre de l'Enseignement supérieur, interdit de rejoindre une école de commerce favorisée par des subventions. Concernant votre cas, Monsieur le Premier ministre, la haute autorité ne dit pas non, mais elle émet des réserves importantes qui peuvent faire douter les parlementaires que nous sommes du bon exercice des fonctions pour lesquelles vous nous demandez votre soutien et pour lesquelles vous tentez d'apporter des réponses. Ainsi, comment envisager que le nouveau président de la RATP ne puisse, de sa propre initiative, contacter les ministres tels que l'actuel ministre des Transports, mais également et même la Première ministre, mais également l'interdiction de toute démarche envers les services anciennement sous votre direction, et ce, jusqu'au 16 mai 2025. Alors que la présidente de la région Île-de-France en appelle à votre pugnacité, auprès, je cite, d'un gouvernement qui regarde ailleurs, pensez-vous pouvoir honorer cette mission avec de telles restrictions? Certes, cet avis n'est pas défavorable, mais il compliquera grandement votre tâche dans un contexte chargé d'ouverture à la concurrence, vous l'avez dit, des transports publics, en Île-de-France et à quelques encablures des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. N'y avait-il pas d'autres candidats aptes au poste auquel vous prétendez? Un processus de recrutement était pourtant engagé et de nombreux candidats étaient en cours d'audition. Par ailleurs, je dois dire que votre candidature confirme les reproches que la Cour des comptes a pu adresser à l'AFIT, qualifiée par les sages de la rue Cambon de quasi-coquille vide. Cette nouvelle candidature pourrait-elle annoncer un recul sur des projets ferroviaires nationaux structurants, alors que nous avons tant besoin d'investissements dans ce domaine? Pensez-vous pouvoir mener de front cette double présidence et comptez-vous démissionner de l'AFIT? Vous l'avez compris, Monsieur le Premier ministre, nous ne multiplierons pas les informations, les interventions. L'objet de notre opposition ne portera donc pas tant sur vos compétences éprouvées que sur l'obstination du président de la République à préférer le bras de fer à la transparence. C'est la raison pour laquelle nous nous opposerons à votre nomination à la présidence de la RATP. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jacques Fernic. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, donc j'ai un certain nombre de questions donc au nom de mon groupe. Ce cheminement inédit qui va sans doute aboutir à votre nomination à la tête de la RATP a soulevé déjà en lui-même des interrogations, on y a déjà fait largement allusion. Cette bifurcation étonnante qui vous fait lâcher à peine arrivée l'Agence de financement des infrastructures de transport au profit de la RATP,
peut quand même passer pour une certaine désinvolture à l'égard de Lafitte, d'abord, et puis un petit peu des auditions et avis auxquels avaient déjà procédé nos commissions parlementaires. Cela méritait des explications, et l'argument que nous avons entendu, que vous venez de développer sur le fait que le poste soit devenu vacant après coup, ne lève pas complètement toute notre incompréhension. Sur le risque de conflit d'intérêts donc lié à votre ancienne fonction de chef du gouvernement, l'avis de la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique n'a manifestement pas été limpide du premier coup pour tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il conclut, c'est vrai, qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Donc ces conséquences sur l'exercice pratique de votre présidence ne sont pas totalement évidentes. Au-delà de ces questions de méthode et de déontologie, qui vont quand même un peu peser sur notre vote, se posent des questions, vous avez déjà commencé à y répondre en partie, sur votre vision et votre feuille de route pour la RATP. Donc comment non seulement enrayer la dégradation actuelle de ce service public, mais aussi réussir à hisser l'offre à la hauteur de nos ambitions de progression en part modale. Vous parliez de l'enjeu climatique, coût de l'électricité, de l'énergie, difficultés de recrutement, on l'a dit, de formation, des lourds investissements nécessaires, la décarbonation, particulièrement l'électrification des bus, qui nécessitera des moyens importants tant que la massification de la production ne fera pas baisser le coût. Donc on a des freins et des défis qui sont importants. Comment aussi mener à bien les transformations lourdes que nécessitent les carences d'accessibilité de notre réseau aux personnes handicapées. Et puis le chantier, vous y avez fait brièvement allusion, le chantier important de la qualité de l'air dans notre métro, qui connaît des taux élevés de particules fines, que ce soit l'abrasion, le freinage, les soulèvements de poussière, ça fait qu'au total, on atteint quand même des taux dans l'air de plus de trois fois plus élevés, enfin quelquefois trois fois plus élevés que dans l'air extérieur. Comment enfin ce processus progressif, vous en avez rappelé les échéances d'ouverture à la concurrence, pourrait ne pas engendrer désorganisation, inégalité, atteinte à la continuité du service public. Merci. Je vais donner la parole à Gérard Lahellec. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après Philippe Tabarot, permettez-moi d'exprimer aussi un peu d'inquiétude quant à l'avenir de Lafitte, à laquelle il ne faut cesser de penser. Et nous pensions, après l'acte majeur que nous avions commis ici, avoir stabilisé un peu la situation de ce côté-là. Mais le besoin éprouvé d'envisager votre candidature au poste dont nous parlons en ce moment, à mon avis, constitue déjà un événement. C'est quand même pas très habituel, dans un laps de temps aussi court, de voir l'ancien Premier ministre appelé à envisager d'assurer de telles fonctions. Par conséquent, je serais tenté de dire, comme première observation, que l'hypothèse de votre candidature, qui n'est plus une candidature à confirmer, honore en quelque sorte vos compétences. Si ça n'avait pas été le cas, personne n'aurait pensé à vous. Donc par conséquent, je vous demande de bien vouloir accepter que nous partageons les motivations qui ont pu conduire d'aucuns et en premier le président de la République à penser à vous. Mais je pense aussi qu'on a pensé à vous au regard de l'ampleur de la tâche à accomplir. Et au regard des grandes difficultés qui sont devant nous et que je ne rappellerai pas ici. Mais la RATP vit une situation de crise et ce n'est pas qu'une crise qui se rapporte à la région parisienne, c'est au fond une crise qui affecte une entreprise nationale, vous l'avez rappelé, et moi qui viens de Bretagne, je sais que le groupe intervient aussi dans un certain nombre de nos localités bretonnes.
Vous avez bien voulu rappeler que, évidemment, là, chacun a ses responsabilités, mais je serais tenté de dire, de me faire ici l'écho de toutes les AOM. Il y a effectivement Île-de-France Mobilité, mais toutes les AOM de France sont confrontées à des difficultés, plus encore depuis la crise Covid. Et toutes ont à faire face à de véritables défis, ceux notamment découlant de la baisse de la fréquentation, que nous n'avons pas reconquise, et par conséquent nécessitent quelque part une grande ambition publique afin que ces AOM, qui sont des collectivités territoriales, soient en mesure d'assumer leurs responsabilités. Je pense à toutes les AOM. Aussi, et puis d'autres difficultés, vous l'avez rappelé, sont devant nous, les conséquences de la crise, énergie, etc., et je ne développerai pas. Au regard de cette situation à laquelle sont confrontés nos transports d'une façon générale, notre approche n'est donc pas non plus une approche d'exercice convenu. Nous souhaitons être délicats, nous voulons reconnaître évidemment ce que sont les compétences appréciées de chacun et en l'occurrence les vôtres. Notre démarche ne sera pas non plus donc une démarche de suspicion à votre égard ni à l'égard de votre candidature. Mais nous aurions aimé, en tant que parlementaires, avoir à débattre de tout ce que je rappelais tout à l'heure. La situation des AOM, la situation des transports, dans quelle situation faut-il surmonter, etc. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs de le rappeler à maintes réunions ici, en réunion de commission, et y compris en séance publique au Sénat. Dans ces conditions-là, et outre, je dirais, les remarques qui ont été faites par un de notre collègue à l'instant, qui sont de nature, remarques qui rappellent, je dirais, les doutes qui peuvent entourer la procédure, outre tout ceci, le fait de n'avoir pas été ou de n'être toujours pas en situation d'aborder au fond la situation des transports, les situations sociales qui en découlent, l'absence de conducteurs un peu partout, comme vous l'avez rappelé, tout ceci nous conduit à décider de refuser de participer au vote de tout à l'heure. Merci. Je vais donner la parole à Bruno Belin et puis après, je laisserai le Premier ministre répondre. Collègue avant, moi, je vais conclure. Je vais commencer comme a conclu le rapporteur, c'est-à-dire prendre acte indiscutable de la compétence du candidat et lui dire à titre personnel et ma confiance. Deux sujets. Monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat. Premier, j'ai bien entendu que vous voulez gagner des parts de marché, et ça commence effectivement par cette image récurrente, permanente de grève à la RATP. Et une grève à la RATP, c'est Paris paralysé, c'est télétravail forcé et c'est crise de nerfs assurée. Donc, comment on arrive finalement, et peut-être qu'à un moment donné, on évaluera ça, le nombre de grèves, de jours de grève par an. En tout cas, comment on arrive à un modèle de satisfaction pour que l'usager s'y retrouve. Vous avez évoqué rapidement, mais c'est un sujet sur lequel je tenais à vous questionner. Moi, j'ai eu l'occasion il y a quelques mois de découvrir le métro de Berlin. J'avais l'impression d'être dans un bloc opératoire. Je vous invite à y aller. Vous connaissez. La question de la propreté à Paris est quand même quelque chose qui nous préoccupe. Et sur lesquels, on a besoin d'avoir vos éléments de combat, c'est comme celui de la sécurité. Et puis, question subsidiaire, parce que vous connaissez bien le sujet, on en a parlé il y a quelques années déjà ensemble, quand nous préparions Paris 2024, même si CDG Express ne relève pas de la compétence de la RATP, il ne sera pas fait, cher Jean, il ne sera pas fait pour juillet 2024. Donc, comment allons-nous faire pour irriguer et effectivement désengorger ce Nord-Paris sur l'accès important qu'il va y avoir à ce moment dans cet événement exceptionnel pour la France. Merci, Monsieur le Président.
Merci, chers collègues. Je vais proposer à Monsieur le Premier ministre de répondre à mes collègues sur ce. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, d'abord, je comprends que vous regrettiez amèrement mon départ de l'Agence de financement des infrastructures de transport. J'en profite pour dire, M. Bigot, oui, bien sûr, je ne vais pas cumuler avec une quelle sorte d'incompatibilité les deux fonctions, hein. Quelqu'un qui... Bon. Pour être très précis en termes procédural, normalement, si les commissions des assemblées, enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat ne s'opposent pas à ma nomination, l'acte juridique suivant, c'est un décret me nommant au conseil d'administration de la RATP et le même décret, enfin, ou un décret parallèle ou concomitant me dénommant de l'Agence de financement des infrastructures de transport. Je le dis parce que il me semble qu'il faut que ce soit clair là-dessus. C'est pas une bifurcation. On va parler de bifurcation, à ce terme. Je ne crois pas. J'ai compris que vous ne m'accorderiez pas le bénéfice de votre vote. Je le regrette, évidemment. Hein, c'est vous, la bifurcation. Pardon. Bon. Oui, vous avez raison. Pardon. Bon, voilà. Mais... en tout cas, le résultat sera le même. Au moins, pourrez-vous m'accorder le bénéfice de la cohérence. Je reste dans le champ des transports publics et des investissements qui représentent. Bon, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit dans mon propos introductif. La FIF, c'est qu'elle est très importante. J'ai essayé de faire de mon mieux. Les cimetières sont remplis de gens indispensables, donc j'espère fortement que celle ou celui qui me remplacera poursuivra le travail que nous avions, cher monsieur le rapporteur, ébauché et l'amplifiera, pourquoi pas. Moi je me réfère, messieurs et mesdames les sénateurs, à ce que j'ai dit aux Françaises et aux Français le jour où j'ai quitté l'hôtel Matignon, publiquement. J'ai dit, je quitte le champ de la vie politique nationale, mais je veux continuer à me rendre utile. C'est ce que j'essaie de faire. Et en mon âme et conscience, et vous êtes libre de ne pas le partager, je considère que j'étais très utile, j'espère, à la FIT. Bon. Mais il me semble que je le serai, j'espère en tout cas, encore plus à la RATP. Je ne cherche pas à dire que la RATP c'est mieux que la FIT ou moins bien, mais que les enjeux sont évidemment différents, notamment les enjeux managériaux. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a à la fois continuité, pardon pour l'imputabilité de la bifurcation, cohérence, en tout cas, dans les choix qui sont les miens. Vous êtes les uns et les autres revenus sur l'avis de la HATVP. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, il ne m'appartient pas de commenter les avis de la HATVP, mais de les appliquer. Bon. Et c'est ce que je vais faire. Je crois qu'il était très utile, et j'en remercie, s'il le permet, monsieur le rapporteur, que si interprétation il doit y avoir, elle soit faite. Si c'est moi qui interprète les avis de la HATVP, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien rond. C'est à la HATVP elle-même de dire portée et limite de ses dispositions, et au législateur de dire ce qu'il en pense par ailleurs. Bon. Là aussi, je me permets là pour le coup de bien vous repréciser que, et monsieur Migaud l'a dit lui-même, y compris publiquement, que les restrictions que vous avez à bon droit rappelées s'appliquent sur une partie certes importante de ce qui sera mon mandat, l'ouverture à la concurrence. Quelqu'un, je n'ai pas parlé du ministre de l'Intérieur, pas le ministre de l'Intérieur pour la sécurité, etc. On n'est pas dans le champ de l'ouverture à la concurrence. Je respecte parfaitement l'avis de la HATVP si j'appelle le ministre de l'Intérieur pour les négociations salariales, pour les prix de l'énergie qu'on a évoqué. Si je veux appeler le ministre de l'Économie, je suis tout à fait conforme à l'avis de la HATVP. D'autant, je me permets d'y insister auprès de vous, comme je l'avais d'ailleurs rappelé à la Haute Autorité, encore une fois, d'autant que les questions d'ouverture à la concurrence sont organisées par l'AOM, c'est-à-dire Île-de-France Mobilité. Ce n'est pas le gouvernement qui fait les lots, ce n'est pas le gouvernement qui choisira les lauréats. Et donc, si je comprends parfaitement ce que dit la HATVP, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je bénéficie de mon statut d'ancien Premier ministre pour influencer le choix du décideur de mes anciens collègues pour allouer tel ou tel lot, j'allais dire, là, pour le coup, ça tombe bien, ce ne sont pas mes anciens collègues du gouvernement qui vont faire ce choix. Bon, donc, je comprends parfaitement, messieurs les sénateurs, vos questionnements là-dessus, mais il me semble,
Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai fait, voyant ça, puisqu'il y avait effectivement des questions d'interprétation, j'ai écrit, après la délibération, au président Migaud, qui m'a répondu, parce que vous, vous avez des interrogations parfaitement légitimes, mais moi encore plus, j'engage ma responsabilité, si j'ai compris, personnelle. Bon, et donc, il a clarifié, dans le sens évidemment qu'a rappelé le rapporteur, la situation. Donc, voilà, si j'avais, vous voyez, encore une fois, moi, mon objectif, c'est pas de chercher un poste ou un honneur, c'est d'être utile. Si j'avais le sentiment qu'évidemment, avec cet avis, je ne pouvais pas exercer les responsabilités qui sont appelées les miennes, je ne serais pas devant vous. Mais je ne cherche pas, je le dis par rapport à ce que j'ai entendu, à être recasé. D'habitude, on se recase dans des sinécures. Hein. Je vous dis, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit dans le sujet. Et j'ajoute que j'ai pas, je veux dire, j'étais casé, enfin, j'ai pas, ce sujet n'est pas là, pardonnez-moi de vous le dire. Le sujet, je comprends tout ce que vous dites, mais mon sujet n'est pas celui-là. Mon sujet, je l'ai dit aux Français, est-ce que l'expérience que j'ai accumulée peut être utile? Et pour ceux qui tiennent au service public, il y en a tous ici réunis, ben oui, effectivement, il y avait d'autres candidats, heureusement qu'il y avait d'autres candidats à la tête d'une entreprise comme ça, mais c'est merveilleux, là, la RATP, malgré toutes les difficultés, heureusement qu'il y avait d'autres candidats. Bon, ben oui, c'est vrai que je ne suis pas issu du privé pur, et du monde d'entreprise, ce qui a des vertus et des qualités. Mais peut-être aussi, daignons-nous considérer que le fait d'avoir une vision et une expérience politique par rapport à tous les sujets qui sont face à la RATP aujourd'hui, peut-être un plus, ou en tout cas n'est pas un inconvénient. Voilà. Juste pour... bon, parce que Monsieur Lahellec, sur la situation des AOM et des transports, effectivement, ça mériterait peut-être un autre débat que dans cette enceinte, cher Président. Oui, sur la propreté, c'est un sujet que je ne peux pas faire de réponse précise, je débarque. Mais j'ai vu qu'il y a un nouveau marché qui a été passé, là, sur toutes les en tout cas pour les gares, les stations, qui me paraît extrêmement porteur de progrès. On va voir à son exécution, mais je vais effectivement m'occuper de la propreté et dans un tout autre registre. Si le Charles de Gaulle Express intéresse la RATP parce qu'il y a une joint venture, c'est ça, une joint venture qui est faite avec la SNCF, avec Eolis, merci. Il y a longtemps qu'on sait. C'est déjà mon prédécesseur qui avait dû en prendre acte que le Charles de Gaulle Express ne sera pas terminé pour 2024, d'accord ? Non plus d'ailleurs, si on va plus loin, que la ligne 17, qui elle aussi, je le rappelle aux honorables parlementaires, est censée rejoindre un jour l'aéroport Charles de Gaulle étoile, l'aéroport Charles de Gaulle tout court. Bon, donc oui, on aura donc ce sujet. Ça veut dire que, pour être clair, le RER B. Bon, dans la partie nord qui relève de l'exploitation de la SNCF sur ce tronçon, mais va être encore plus sollicité pour les Jeux. Donc ça fait partie du plan de transport que pilote en l'espèce IDFM. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Merci. Pardonnez-moi, Monsieur Sateur, j'ai oublié, je tiens à la disposition, on le mettra peut-être au compte rendu, le nombre de jours de grève par salarié, le nombre d'alarmes, peut-être ce sera intéressant pour l'information de la Commission. Monsieur le Premier ministre, vous allez être président de la FIL pendant 2 mois et 19 jours, vous avez été Premier ministre pendant 1 an et 10 mois, vous avez été président de l'Agence nationale du sport pendant 1 an et 2 mois, secrétaire général adjoint de la présidence de la République pendant 1 an et 2 mois, conseiller aux affaires sociales pendant 2 ans. Je m'arrête là sur votre CV. Alors, je ne doute pas de vos compétences pour présider la RATP, mais est-ce que vous tiendrez les 5 ans sur un même poste, puisque c'est la durée du mandat à la tête de la RATP? Et comme vous l'avez très bien développé, la RATP est face à de très nombreux enjeux où je pense qu'il est important d'avoir à sa tête une direction, une présidence dans la durée pour mener à bien tous les chantiers, parmi lesquels la qualité du réseau, la régularité que vous avez aussi évoquée dans votre propos liminaire. Il y a aussi la question du financement avec la dette Covid, l'augmentation du coût de l'énergie, le financement des nouvelles lignes. Il manquera
de l'argent à la RATP pour faire face à de nombreuses dépenses. Alors, que pensez-vous de l'augmentation du pass Navigo à 100 euros? Est-ce socialement supportable que les usagers seuls payent tous les surcoûts? Et faute de modification de texte sur le versement mobilité par rapport à la région Île-de-France. Vous avez déjà répondu sur la question de la sécurité. Et puis, je voudrais revenir sur une question qui a été abordée par un collègue, non pas sur la propreté, mais sur la qualité de l'air, qui est un sujet majeur. Siégeant au Conseil national de l'air, on sait qu'il y a un niveau de taux de particules fines plus élevé dans les transports en commun, qui est une source d'inquiétude pour les usagers. Donc, quelles mesures comptez-vous prendre pour ce sujet, qui est un autre sujet majeur? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Michel Dagbert. Président, merci, Monsieur le Premier ministre, pour le propos liminaire que vous avez tenu et qui, certain nombre de collègues en conviendront, a largement couvert le spectre d'un certain nombre de questions que nous avions sans doute préparées à votre endroit. Mais cela vient montrer, et nous n'en doutions pas non plus, à quel point vous êtes déjà impliqué dans cette future fonction que, à titre personnel, j'espère vous voir occuper d'ici peu. Sur les questions que j'avais imaginez-vous poser, bon nombre de réponses ont d'ores et déjà été apportées. Pour autant, se tient à Sharm el-Sheikh la COP 27 et l'entreprise dont il est question aujourd'hui, vous l'avez d'ailleurs mentionné dans votre propos, est à ce titre un consommateur important en matière d'énergie. Et donc, quelle stratégie pensez-vous mettre en œuvre afin d'atteindre des objectifs vertueux en la matière? Et j'avais un deuxième point qui lui aussi a été fortement abordé et vous l'avez mentionné. Quelle stratégie managériale entendez-vous mettre en œuvre afin de faire en sorte que ce service public à l'égard de l'usager, mais aussi, et vous l'avez mentionné, à l'égard des clients et à la veille d'un certain nombre de rendez-vous éminemment importants, des rendez-vous mondiaux tels que la Coupe du monde de rugby, mais aussi les Jeux olympiques de 2024, sont aussi, d'une certaine manière, une vitrine de l'excellence que peut représenter cette entreprise, et notamment dans la conquête de marchés à l'international. Merci. Je donne la parole à Rémi Pointreau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas de vos capacités à gérer donc cette entreprise. Et j'avais deux questions à vous poser. La première, ce sont les recettes fiscales de l'État. Est-ce qu'elles doivent être mise en place à l'Île-de-France Mobilité pour tenir l'engagement qui a été pris par Édouard Philippe, Premier ministre, en janvier 2020, puisque je rappelle que le Premier ministre Édouard Philippe avait engagé l'État sur les financements additionnels et des transferts de recettes pour couvrir le milliard d'euros de dépenses annuelles d'exploitation supplémentaires, en contrepartie de la couverture des dépenses de pré-exploitation pour la RATP par Île-de-France Mobilité. Je pense que cette question a été posée déjà, mais ça me paraît important de la reposer. C'est le financement de la pré-exploitation du Grand Paris Express. Je pense que c'est un sujet prégnant, puisque c'est imminent de mettre en place ce Grand Paris avec les Jeux Olympiques notamment. Une autre question, mais ça c'est quelque chose qui est récurrent, concernant la lutte contre les arrêts maladie qui sont abusifs à la RATP, et puis les grèves perlées qui ont tendance à un peu tout désorganiser, mais là je pense que vous avez peut-être des réponses, vous avez apporté déjà une partie des réponses, mais je voudrais avoir quelques éléments supplémentaires. Merci, cher collègue. Je vais donner la parole à Fabien Genet. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, d'abord une petite confidence. J'avais le sentiment, M.
Monsieur le Premier ministre, d'avoir un peu le même problème que vous l'été dernier lorsque nous vous avons auditionné sur la présidence de l'AFITE. Oui, je m'explique parce que vous étiez venu en Saône-et-Loire sur la RCEA garantir les financements de la mise à 2x2 voies. Vous étiez venu au plus près de chez moi inaugurer les pistes de l'aéroport de Saint-Yon à l'invitation de mes amis maires Georges Borda et Elisabeth Ponceau. Et effectivement, lorsque j'ai dû voter pour savoir si je vous envoyais avec mes collègues à l'AFITE, imaginant que j'aurais à négocier avec vous le financement des 2 viaducs qui restent à financer sur la RCEA, le viaduc de Charolles et le viaduc de La Roche, La Roche de Solutré pour mes collègues socialistes, auxquels ils peuvent être attachés ou qu'ils peuvent connaître pour quelques voyages qu'ils auraient pu réaliser dans les années 80, je m'étais dit, est-ce que déontologiquement, je suis vraiment... Je ne suis pas à la veille d'un conflit d'intérêts en envoyant M. Castex à l'AFITE. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous voir quitter l'AFITE, c'est m'enlever un grand poids dont je voulais vous remercier. Mais au-delà de ce trait d'humour, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais formellement, pour vous protéger, Monsieur le Premier ministre, est-il exact que la délibération qui concerne l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dont on parle est bien la délibération numéro 2022-380 du 18 octobre 22, celle qui, dans son alinéa 8, considère que M. Castex devra, et vous me permettrez de la lire, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, s'abstenir de toute démarche, y compris de représentation d'intérêts auprès des membres du gouvernement en exercice, qu'il était également lorsqu'il était Premier ministre, ainsi que des membres de son cabinet qui occupent encore des fonctions publiques, etc., etc. Dans cette délibération, je ne vois pas du tout ce que vous nous avez dit sur la précision de l'ouverture à l'ouverture des marchés. Vous nous dites que vous avez contacté le président de la Haute Autorité. Est-ce qu'il y a eu, auquel cas, une nouvelle délibération formelle de cette Haute Autorité dans les mêmes formes que celle que nous venons de citer. Voilà pour la première interrogation. La deuxième interrogation, pour les viaducs que j'ai cités, mais également pour toutes les autres infrastructures, je m'associe à mes collègues sur le regret de voir partir un président dont nous avions validé la nomination l'été dernier. Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous demander si vous savez qui pourrait bien vous remplacer dans ces fonctions, parce que vous m'accorderez que remplacer un ancien Premier ministre dans des fonctions comme celle-ci, ça ne va pas être simple. Alors peut-être qu'à l'heure où Paris bruit de menaces de dissolution, peut-être qu'une future ancienne Première ministre, finalement, pourrait venir occuper dans quelques mois ou quelques semaines vos fonctions. Nous verrons bien. En tous les cas, il serait bon pour nos infrastructures et pour les dossiers de nos territoires que nous ayons très rapidement, effectivement, un successeur. Et je terminerai par une troisième question. Ça a été un peu évoqué, mais cet été aussi, il y a eu cet incident majeur dans le cadre de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Le rapport sénatorial rendu par nos collègues, en particulier Lafont, a bien montré que c'est avant tout au niveau du fait générateur, bien sûr, le mouvement de grève du RERB qui n'avait pas été suffisamment anticipé, qui a provoqué en cascade tout ce que l'on a connu ensuite. Et donc, à l'approche de ces grands rendez-vous que sont la Coupe du monde de rugby et surtout les Jeux olympiques, une question peut-être un peu générale. Est-ce qu'un pays qui ne sait pas garantir la continuité du service, alors même qu'on parle, et vous l'avez rappelé, d'une entreprise publique de service public, est-ce qu'un tel pays est à même de recevoir dans de bonnes conditions les Jeux olympiques? Merci. Je vais laisser répondre le Premier ministre sur les questions qui sont posées, puis après j'ai encore 3 demandes de parole. Si je fais une petite analyse de ce qui se dit, le Premier ministre pourrait être, ce que je ne souhaite pas, victime de sa compétence, ce qui est embêtant quand même, parce que
J'entends beaucoup de compétences. On peut vous reprocher, c'est votre compétence. Oui, ce n'est pas les mérites et les talents, dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, je veux peut-être, si vous permettez, revenir sur la délibération de la HATVP, parce que c'est un sujet évidemment important. Et si, tout y est, parce que vous avez, dans la lecture que vous avez faite du considérant numéro 8 de la délibération, c'est bien le bon numéro, c'est le début du considérant. À cet effet, je dois m'abstenir. Et à cet effet, renvoie donc au considérant précédent. C'est ce qu'explique M. Migaud, il n'y a pas besoin de d'autres délibérations. Et dans le considérant précédent, il est dit, bien que des relations existent nécessairement entre l'État et un établissement public en relève, il apparaît nécessaire, dans le contexte de mise en œuvre de l'ouverture à la concurrence des transports publics en Île-de-France, d'encadrer les futures relations, etc. À cet effet, donc, il explique, la HATVP dit, comment il va encadrer, au titre de l'ouverture à la concurrence, les relations que je devrais avoir avec les anciens membres de mon gouvernement ou les services placés sous mon autorité. Voilà. Donc je pense que ça répond, et c'est ce que m'écrit le président Migaud dans un courrier que je tiens, Monsieur le Président, à votre disposition le 2 novembre, puisque j'avais moi-même eu les mêmes interrogations que vous, mais ceci me paraît, pour le coup, clarifié. Je reste avec Monsieur Genet. J'ai lu, évidemment, le rapport sénatorial sur le Stade de France. J'ai vu aussi ce qu'a indiqué la RATP dans les auditions, et notamment l'organisation du report sur la ligne D du RER, hein, puisque comme il y avait grève, l'une des conséquences de la grève, je rappelle, au-delà de la raréfaction de l'offre, c'est que l'interconnexion, comme on dit, n'était pas assurée à la gare du Nord. Là aussi, le hasard a voulu, je ne l'ai pas cité, donc je le fais maintenant que j'arrive ici, en même temps que M. Farandou, qui était auditionné par une autre commission de votre haute assemblée. Bon, là aussi, je tiens à vous dire combien je ferai en sorte d'avoir avec la SNCF des relations très fluides, pas toujours simples, et le fameux RERB dont on parle, si un jour quoi, on pouvait arriver, les choses sont considérablement améliorées, mais à buter sur le fait que l'existence de deux gestionnaires, l'un au sud, l'autre au nord, puisse aboutir à un certain nombre de complications. Encore une fois, les choses sont améliorées, mais peut-être y a-t-il encore des gens. Donc, en tout cas, j'ai lu avec attention ce rapport, et je m'engage devant vous, il émet un certain nombre de préconisations que j'ai lues. Évidemment, nous les étudierons. Évidemment, l'intérêt, vous l'avez raison, c'est l'organisation d'autres événements. Alors, quand même, j'ai été aussi délégué aux grands événements sportifs. On a quand même, je le dis, Vincenteur, réussi quand même l'accueil de beaucoup, beaucoup d'événements. Évidemment, selon l'expression consacrée et adaptée à la présente audition, on parle surtout des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais on a, je dirais même la France, il y a des spécialistes dans la salle, a une habitude quand même d'accueil des grands événements sportifs qui n'est pas négligeable. Mais finalement, c'est un avertissement sans frais qui a été donné là, et il faut qu'on se remette tous autour de la table pour trouver les solutions les plus adaptées. Bon, je reviens là-haut. Bon, je reviens pas, parce que je voulais sur les durées de mon mandat. Vous avez raison, ben oui, j'étais secrétaire général adjoint à l'Élysée. Il y a eu des élections présidentielles, hein, c'est pas de mon fait, et vous en connaissez le résultat. Vous avez raison de dire, j'étais président de l'Agence nationale du sport et délégué interministériel, et puis j'ai été appelé pour être Premier ministre, donc vous avez raison, j'ai dû quitter mes fonctions à l'Agence nationale du sport. Bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Mais je vous dis ça parce que, et je sais que ce n'était pas l'objet de votre question, mais je ne suis pas l'organisateur de la brièveté de mes mandats. Bon, ici, oui, là, c'est moi qui ai accepté de... C'est clair, je vous l'ai dit, enfin... et c'est pas, Philippe me pardonnera, je ne sous-estime pas du tout la FIT. Bon, enfin, c'est pas exactement le même enjeu. C'est pas le même enjeu, et je pense qu'il n'aurait pas été, je vous le dis tel que je le pense, responsable de ma part de refuser en disant, ben ouais, ah non, je suis à la FIT.
c'est quand même moins exposé, hein. C'est moins risqué. Oui. Je suis à Lafitte depuis 3 mois, j'y reste, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, oui. Bon. Oui, bien sûr, j'ai compris, exactement. Bon. Mais bon, encore une fois, la RATP représente des enjeux tels qu'il me paraissait difficile de ne pas pouvoir essayer d'y faire face. Voilà. Donc, je comprends tout ce que vous me dites, mais il me semble encore une fois que, évidemment, il faut essayer d'inscrire ça dans la durée, mais bon, la vie ne se passe pas toujours comme on passe ou comme on la programme. Bon. Question très importante, qui revient dans plusieurs questions d'ailleurs, il y a aussi M. Pointereau, sur quel financement a affecté au transport, aux autorités organisatrices et en particulier à IDFM Mobilité, comment est-ce qu'il faut augmenter le pass Navigo, vous avez même cité un montant. Bon. Là, pour le coup, je vais vous faire une observation. D'abord, c'est pas à supposer que je le devienne au président de la RATP de décider ça. C'est vraiment une décision politique des instances compétentes. L'État pour le versement mobilité, IDFM mobilité pour le pass Navigo. Bon. Et donc, j'ai été en état de prendre des décisions, je les ai assumées, on était d'accord, pas d'accord, hein, je ne sais pas vous. Bon. Mais j'ai bien compris, je ne peux pas à la fois dire j'ai quitté le champ de la vie politique pour revenir sur un champ managériel pour à nouveau me resituer. Simplement, ce que j'observe, ce que j'ai dit, comme j'ai dit à la FIC, nous devrons, de quelle nature, à quelle hauteur, trouver des ressources supplémentaires pour financer les infrastructures de transport en France. Toutes les données comparatives le démontrent. Dans les données comparatives, simplement par rapport aux ressources propres, un rapport, puisque quelqu'un y a fait allusion, de la Cour des comptes ou de la Chambre générale des comptes, a rappelé que le financement des coûts d'exploitation et de transport en Ile-de-France, couvert par les recettes, en espèce le pass Navigo, était, je crois, de 25% par là, hein, alors que dans d'autres pays, en moyenne, il est beaucoup plus élevé. Bon, c'est une donnée comparative, mais je crois que le Sénat, bien entendu, en a parfaitement connaissance. Dernier élément, ce que j'ai dit aussi lorsque j'étais devant vous à Lafitte, et le rapporteur sait que combien je tiens à cette idée, je pense que pour que tout ça soit acceptable, c'est-à-dire qu'on ait à la fois les moyens de financer les infrastructures de transport et que ça ne pèse pas trop sur les contribuables, qui s'appellent les entreprises, qui s'appellent les usagers, etc., il faut des paniers de recettes. Il faut des paniers de recettes. Et on voit bien d'ailleurs que la crise énergétique actuelle montre que lorsqu'on est dépendant d'une seule source de financement, si celle-ci diminue, eh bien évidemment, la politique publique conduite se trouve menacée. Bon. Donc, mon opinion, je le répète, c'est qu'il faudra accroître le panier de recettes, un peu de tout, j'ai envie de dire, nécessaire à l'affectation des infrastructures et des fonctionnements de nos systèmes de transport collectif. C'est absolument indispensable. On a devant nous... Monsieur Pointereau parlait de l'entrée du Grand Paris Express, je ne l'ai pas évoqué. Grand chantier, que j'ai bien connu à une des périodes à laquelle vous faisiez référence. Chantier formidable, hein, qui va, alors là, pour le coup, quasiment doubler, quand il sera terminé, le nombre de lignes à la disposition des voyageurs. Bon, je comprends très bien les inquiétudes d'Île-de-France Mobilité, qui voit arriver... l'écoute de fonctionnement de cette infrastructure et qui se dit ben, « je suis face à un mur qu'il va falloir régler bon. ». Donc, les décisions n'ont pas été prises. Vous citiez janvier 2020, c'est M. Pointereau qui a cité janvier 2020 et l'annonce faite par Édouard Philippe, alors Premier ministre. Bon, il se trouve que janvier 2020, c'est peu de temps avant mars 2020, il y a eu une crise sanitaire, donc c'est vrai que ça n'a pas été un moment propice à prendre ce type de décision. Je rappelle quand même, puisque j'ai eu des questions tout à l'heure sur toutes les AOM, que j'ai pris, pendant la crise sanitaire, y compris et notamment pour Île-de-France Mobilité, un certain nombre de décisions assurant leur survie, et que le Parlement a d'ailleurs voté. Je ne veux
permets de le rappeler. Au point même, d'ailleurs, pour Île-de-France Mobilité, la Cour des comptes en avait fait le reproche, qu'on a été presque au-delà de leurs besoins, puisque début 2022, ou je ne sais plus quand, enfin, au premier semestre 2022, Île-de-France Mobilité a restitué l'écart à l'État. Bon, donc on ne les a pas laissés tomber. Mais encore une fois, je conviens volontiers avec vous, et je me semble aussi me référer à ce que je vous avais dit lors de la précédente audition, qu'il y a le problème structurel qui reste à régler sur la l'affectation de financements supplémentaires. Sur la qualité de l'air, c'est vrai que c'est une question qui m'a été reposée et pour laquelle je n'ai pas répondu. Donc là aussi, c'est, sachez-le, un enjeu prioritaire pour la RATP depuis plusieurs années. Île-de-France Mobilité aussi, si j'ai bien compris, a voté ou a mis en place un plan d'action pour volontaire, enfin pour à la fois surveiller la qualité de l'air, d'accord. Donc il y a un réseau et Air Paris, je vous le signale, hein, puisque chacun ici connaît Air Paris, a conduit en juin dernier une expertise à la demande d'Île-de-France Mobilité et qui a montré que le dispositif de mesures mises en œuvre par la RATP sur ce sujet est-elle un des plus complets au monde. Et puis la deuxième étude, simplement, que je voulais vous signaler, parce que là, c'est un organisme aussi que vous connaissez bien, qui est l'ANSES. Et l'ANSES a réalisé une expertise qui a été publiée en juin dernier, sur la définition de valeurs guides de l'air intérieur, parce que justement, il n'y a pas de normes. Hein, et cette expertise constate une absence d'effet sanitaire, je cite, hein, lié à l'exposition des voyageurs à la pollution de l'air dans les enceintes ferroviaires souterraines en l'état des connaissances scientifiques actuelles. Bon, et elle propose, puisqu'encore une fois, il n'y en a pas, des valeurs indicatives non réglementaires afin d'inciter tous les opérateurs à accélérer les opérations d'amélioration de la qualité de l'air. J'indique aussi au Sénat, si vous ne le savez pas, qu'il y a des contentieux qui sont engagés par des associations, je crois, à l'endroit de la RATP. Donc, c'est dire que nous sommes mobilisés, que c'est un sujet qu'il faut prendre tout à fait au sérieux. Tout à l'heure, je parlais, vous savez, des investissements, vous l'avez peut-être entendu, et j'y suis pour rien, je le dis avec d'autant plus d'aisance, dans les nouveaux matériels roulants qui sont commandés, La question de leurs émissions de particulières qui a un impact sur la qualité de l'air est prise en considération de façon à ce qu'on puisse avoir une action concrète en la matière. Je regarde, après il y a eu beaucoup de questions auxquelles j'avais déjà quand même pas mal, me semble-t-il, répondu dans l'exposé liminaire long que j'ai fait devant vous. Merci. Certains d'entre vous m'ont fait part de leur impératif de partir à 19h, donc je vous propose les trois dernières questions pour que toutes celles et ceux qui ont été présents puissent voter, parce que ce serait dommage de n'avoir été présents jusque-là et puis ne pas pouvoir voter, d'arrêter à 18h55. Je vais donner la parole à Eric Gold. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, moi je vais commencer mon propos par... pour vous dire que je vois votre nomination, votre potentielle nomination avec beaucoup d'intérêt. La RATP, c'est un opérateur mondial de transport urbain qui est implanté dans 4 continents et plus de 15 pays. C'est aussi un opérateur qui exploite au quotidien plusieurs modes de transport traditionnels, on en a parlé, le métro, le bus, le tram, mais aussi de nouvelles mobilités en tant que partenaire sur les navettes autonomes ou sur les parkings intelligents connectés. Alors la RATP est fortement implantée principalement en Ile-de-France, mais les déplacements de demain, s'ils doivent être innovants, ne seront pas seulement urbains. Alors, très rapidement, Monsieur le Premier ministre, à la tête de la RATP, avez-vous comme défi à venir celui d'être un acteur de la mobilité accompagnant les déplacements innovants aussi dans les zones qui ne sont pas fortement urbanisées? Et pouvez-vous nous indiquer une ou deux pistes que la RATP pourrait mettre en avant au profit des territoires? Merci. Je vais donner la parole à Ronan Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit en introduction, la RATP est un des grands leaders mondiaux sur le transport urbain. On a des enjeux effectivement très, très importants en termes climatiques du développement du transport urbain dans toutes les grandes mégalopoles
mondiale. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, c'est bon. Comment voyez-vous l'évolution de ce rôle de la RATP à l'international? Est-ce que c'est juste essayer de prendre des parts de marché par rapport à d'autres prestataires de même type, même si vous n'êtes pas extrêmement nombreux à l'échelle mondiale? Ou est-ce que, dans cette logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre des grands systèmes urbains mondiaux, est-ce que demain la RATP peut aussi venir avec des investissements de développement, avec des investissements carbone et arriver avec des projets qui soient des projets plus intégrés? Merci. Je vais donner la parole à Frédéric Marchand. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour la déclinaison de cette feuille de route que vous nous avez faite, fort intéressante. Moi, je vais rebondir effectivement sur les propos d'Éric Gold, puisque quand on parle RATP, on pense transport. La RATP a maintenant, depuis plusieurs années, défini tout un champ d'expertise sur lesquels elle travaille, nouvelles mobilités, télécommunications, immobilier, logistique urbaine, gestion d'énergie, font aujourd'hui un peu partie de la palette des savoir-faire intégrés et complémentaires du groupe. Et en janvier 2021 a été créé RATP Solutions Ville, qui se veut être un apporteur de solutions pour les collectivités. Donc au milieu de tous les défis qui sont les vôtres, je voulais justement savoir, pour reprendre un peu les propos de mon collègue Éric Gold, quelle est la place que vous entendez donner à cet apporteur de solutions qui, je pense, pour les collectivités de notre pays, est très très important. Merci. Merci, cher collègue. Je vais donner, pour terminer, ça aussi un autre qui a la parole me demande, mais à Didier Mandelli. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Moi, j'ai une question très, très simple et qui est plutôt une inquiétude. Dans vos propos, vous avez indiqué que vous souhaitiez recentrer l'activité ne plus considérer, si j'ai bien traduit, mais je pense que j'ai bien compris, vos filiales et le développement à l'international. Et ça me paraît être dangereux pour la RATP, parce que je pense qu'une entreprise doit se développer. C'est un fleuron à l'international sur de nombreux marchés. Pour conclure, je dirais que, en tant que responsable de mon groupe, je n'ai pas donné, et mon groupe n'a pas donné de consigne de vote. Chacun fait, comme toujours, en son âme et conscience. Mais que, à titre personnel, et ça n'est pas du tout une question de compétence, Monsieur le Premier ministre, je ne voterai pas pour votre nomination pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai déjà fait il y a 3 mois pour la FIT. Et la seconde, c'est que le message envoyé ou la trace laissée par cette démarche du président de la République va, je pense, contribuer à éloigner encore un peu plus nos concitoyens. Alors, on peut le traduire comme on veut, je ne vais pas faire de phrases sur le sujet, mais, ou de petits mots, mais va contribuer à éloigner nos concitoyens de la chose publique, parce que on est dans une défiance, et le fait de positionner les uns ou les autres comme on le fait depuis quelques mois, alors que le président de la République avait déclaré qu'il voulait faire autrement. On parlait de l'ancien monde, on avait des copains qui étaient recasés, etc. Moi, j'ai pas vu de rupture à ce niveau-là, et je pense que les choses se sont même accélérées. Donc, et pour ces raisons, à titre personnel, mais ça n'est pas du tout vis-à-vis de vos compétences et de vos qualités, vous avez suscité, vous avez un capital à la fois de sympathie, de respect par chacun d'entre nous, et moi le premier, mais pour ces raisons, pour les autres raisons que j'ai évoquées, je ne vous accorderai pas mon suffrage. Monsieur le Premier ministre, vous avez 10 minutes. Très bien, merci beaucoup. Je regrette, je vous le dis. Vous le dites. Hein ? Oui, 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 mais je ne crois pas enfreindre un quelconque principe. Je vous le dis, voilà, je dis mon sentiment. Oui, pas moi, mais enfin, c'est moi qui suis devant vous ce soir. Bon, par contre, là où je veux clarifier un point, parce que là, pour le coup, c'est moi qui me suis mal exprimé. Donc là, c'est une question de fond. C'est pas que je n'oppose pas du tout, je n'oppose pas du tout, je finis ma phrase, le cœur de métier et les activités de filiales internationales. Pas du tout. C'est que ce soit clair. D'accord. Je ne suis pas certain d'avoir, j'ai dit, la priorité des priorités, c'est le cœur de métier. Ça ne veut pas dire recentrer ou abandonner, je le précise bien. Enfin, simplement, vous parliez de la confiance de nos concitoyens. J'ai ici une assemblée de gens très avertis. Il faut quand même que je puisse dire, moi, si je suis
patron de la RATP. Écoutez, je vais conquérir le métro de Sydney, ça marche très bien. Mais, oui, mais alors à Paris, il y a un problème. On est d'accord, oui, mais voilà, enfin, c'est pas que des mots quand même, vous voyez. Bon, donc, ça rejoint la question, je crois que c'est M. Dantec qui a posé. En réalité, d'abord, pourquoi il faut aller à l'international sur nos bases, c'est-à-dire sur ce qu'on sait faire. Il faut être cohérent, c'est ça que je veux dire. Il faut qu'il y ait une cohérence sur le fond et sur le contenu entre la politique du cœur, le réacteur, et la politique de filialisation, nos savoir-faire, c'est la ville, c'est le développement durable. Donc oui, par exemple, effectivement, on va exporter ce qu'on sait bien faire, et dans ce qu'on sait bien faire, il faut que nous soyons exemplaires en termes de développement durable et d'empreinte écologique. Et il faudrait même que ce soit un plus pour assurer la promotion de ce savoir-faire compte tenu du contexte que vous connaissez tous. Donc, évidemment, il faut savoir travailler sur ce point. J'ajoute, je le répète quand même, s'il y a une ouverture à la concurrence, en réalité, ça s'est passé chronologiquement en sens inverse. On ne peut pas dire on va conquérir des parts de marché en Europe, en Italie, dans le reste du monde, et dire, ben non, mais chez nous, évidemment, personne ne peut venir conquérir des parts de marché. Ça ne tient pas très longtemps la route. Bon, donc, il faut avoir une vision équilibrée et une vision cohérente. Donc, M. Mandelli, vraiment, je rectifie mon propos s'il n'était pas clair. Simplement, je crois qu'il faut qu'on soit cohérent. Comme je disais, voilà, par exemple, on a acquis un savoir-faire sur l'automatique, les métros automatiques. Je pense que là, il faut qu'on se donne le moyen de l'exporter encore davantage. Il y a des enjeux, évidemment, industriels. L'autre marque de fabrique historique de la RATP, c'est la ville, c'est le rôle des transports dans la structuration du tissu urbain. Bon, donc là, on a un savoir-faire. Et alors, évidemment, j'ai beaucoup aimé les questions de M. Marchand, de M. Gaulle, là, qui touchent ma corde sensible. Est-ce que vous ne viendriez pas, par hasard, aussi sur le monde rural? Bon, alors, on m'indique, sachez-le, qu'on expérimente des véhicules autonomes, déjà, pour les appliquer à certaines zones, enfin, qui seraient susceptibles de rouler dans des zones rurales. Bon, si j'ai bien compris, ça reste en Ile-de-France, mais c'est du côté de Saint-Rémy, de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Bon, donc, je dis pourquoi pas, mais bon, pour l'instant, encore une fois, le cœur du savoir-faire de RATP, il est dans les villes urbanisées, y compris d'ailleurs dans les villes moyennes ou les grandes villes moyennes de province, actuellement plutôt situées du reste dans l'ouest de la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, on va passer au vote. Alors, je vous rappelle que, un, il n'y a pas de délégation de vote. Deux, vous avez trois possibilités. Et ce ne sont que ces mots qu'il faut employer, pour, contre, ou vous laissez le bulletin blanc. Pour, contre, ou bulletin blanc. Voilà. Je vais laisser la parole au rapporteur qui va vous appeler et vous allez venir voter. Oui. Je pense que je pars.